Alors le Grand Sénonais, c'est un territoire d'environ 59 000 habitants et une ville-centre de 27 000 habitants entourée de 26 communes. Principalement deux grandes zones d'activité, une zone d'activité de 90 hectares, une autre de 150 hectares, implantée depuis une quarantaine d'années. La spécificité de notre territoire, c'est un nœud autoroutier nord-sud-est-ouest avec la 5, la 6, la 19. Un réseau ferré, puisqu'on est sur la ligne Paris-Lyon-Marseille. Et puis un port, le port de Gron, qui existe depuis une dizaine d'années et qui peut rejoindre le Havre et au-delà, le monde entier. On a cette chance d'être vraiment la porte de la Bourgogne en sortant de l'Île-de-France, tout en étant attaché à ce grand territoire qu'est la Bourgogne-Franche-Comté. C'est travailler ou vivre à la campagne en étant à une heure de Paris, c'est l'atout de notre territoire. Je peux parier sur le fait qu'on sera là la prochaine fois.